Commençons avec de bonnes nouvelles. Vous avez le contrôle total sur vos pensées, les images que vous visualisez et les actions que vous entreprenez. La manière dont vous utilisez ces derniers détermine la tournure de toutes vos expériences. Sur le chemin vers une vie d'abondance, d'épanouissement et de réussite, le point de départ est la prise de responsabilité. J'améliore ma vie en me déplaçant avec aise de là où je suis vers où je veux arriver. Peu importe les circonstances, blâmer les autres ou les événements ne vous apportera rien. Vos pensées, vos actions et vos comportements sont et seront toujours sous votre contrôle et ne dépendent pas des circonstances, sauf si vous en décidez autrement. Par exemple, disons que vous allez prendre un rond-point, donc vous avez la priorité, mais une autre voiture vient vous couper le chemin et manque de vous rentrer dedans. Vous vous énervez, vous klaxonnez, vous l'insultez, vous le maudissez et vous enclenchez un cercle vicieux de pensées négatives qui vont alimenter des émotions négatives et du coup vous allez être de mauvaise humeur pendant toute la journée à cause de ce conducteur. Maintenant, imaginons la même situation mais avec une réaction différente. Donc vous ne vous énervez pas, vous êtes reconnaissant d'avoir pu réagir à temps et qu'il n'y ait eu aucun dégât. Et vous vous dites que peut-être que ce conducteur ne vous a pas vu, peut-être qu'il a une urgence médicale, d'ailleurs peu importe parce que vous ne connaissez pas cette personne et elle s'est déjà éloignée. Et du coup vous reprenez votre chemin et vous oubliez cet incident. Dans les deux cas de figure, l'événement est le même, la circonstance est la même, mais les réactions sont différentes. Et avouez-le, la seconde est beaucoup plus mature et saine que la première. Donc finalement, le chauffeur téméraire n'est pas responsable de votre réaction, mais vous l'êtes. Je crée de meilleures circonstances et j'attire des opportunités, tout en répondant intelligemment aux événements que je rencontre. C'est facile de se dire que les choses arrivent tout simplement, qu'on n'y est pour rien, qu'on est juste là et qu'on subit ce qui nous tombe dessus aléatoirement. Porter le chapeau de la victime ou de la passivité est confortable, car ça permet de se voiler la face et d'ignorer notre part de responsabilité. Mais la vérité est qu'on est en train de créer ou de permettre constamment ce qui nous arrive. Soyez plus conscient, prêtez attention à ces signes qui nous disent que ça ne va pas. Ça peut être interne comme une intuition, un malaise face à une personne, un projet ou un événement, ce qui n'est pas à confondre avec la peur ou l'anxiété, comme ça peut être externe comme des comportements alarmants ou des signes qui nous disent que tout simplement ça ne va pas, que quelque chose n'est pas juste, quelque chose n'est pas correct. Car en décidant de les ignorer, nous ne prenons pas notre part de responsabilité. Et quand quelque chose nous arrive, qu'on n'a aucune part de responsabilité, que ça nous tombe dessus de nulle part, c'est très important également de prendre la responsabilité, de répondre à la situation de manière convenable et réfléchie, et de ne pas laisser autrui les circonstances ou les événements dicter notre réaction. Car peu importe ce qui nous arrive dans la vie, prendre la responsabilité de gérer, de répondre, de prendre en charge et de changer une situation nous donne le contrôle pour créer de meilleurs résultats pour notre vie. Je choisis de changer mes pensées, mes images et mes comportements pour répondre différemment et produire de meilleurs résultats.